trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble pour juste prier, pour juste avant le message, juste un mot de prière? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta présence ce matin. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta bonté et ton amour. Et on veut prier, Seigneur, pour le message de ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, vraiment, Seigneur, communiquer, Seigneur, la pensée, Seigneur, à ceux et celles qui vont entendre le message ce matin, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste peut-être me baisser, je ne sais pas si on est capable de me... Un, deux. C'est bien. Encore me baisser un peu, s'il te plaît. Ouais. J'aimerais commencer avec le titre du message ce matin, c'est « Progresser dans la vision ». Progresser dans la vision. Et on va commencer avec un verset, c'est Proverbe 29, verset 18. Dans le Proverbe 29, verset 18, il dit « Quand il n'y a pas de révélation », ou une autre version dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi ». Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation de vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand on regarde à ce passage-là, on voit vraiment ce qui est dit au travers le proverbe, les proverbes qui sont des principes de sagesse qui ont été donnés, nous parle vraiment ici que s'il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein. C'est comme si que s'il n'y a pas un focus qui est donné, s'il n'y a pas une attention qui est portée pour nos regards et tout ça, la Bible a dit vraiment que le peuple va être sans frein. C'est comme si qu'il n'y aura rien pour les arrêter. Il n'y a pas quelque chose qui va les arrêter. Il n'y a pas quelque chose qui va les réfréner. Il y a toutes sortes de pulsions qui vont ressortir de nous. Pourquoi? Parce que le peuple est sans frein. Pourquoi? Parce qu'il est sans vision. Et combien, tu peux juste regarder dans la société, combien de gens, des fois, parce qu'ils ont une vision, ils vont vraiment focusser sur cette vision-là et ils vont se concentrer, ça va les éviter de tomber dans bien des problèmes. Vous n'avez qu'à penser à certains athlètes olympiques depuis qu'ils étaient jeunes. Ils veulent devenir des athlètes, ils veulent devenir des professionnels dans le sport ou quoi que ce soit. Et à cause de ça, ils s'entraînent et bien souvent, parce qu'ils ont une vision, parce qu'ils ont un but avec quelque chose, ça va les éviter de dévier dans toutes sortes de sentiers, de liens destructifs ou quoi que ce soit dans leur vie, parce qu'ils ont une vision, ils sont focusés sur quelque chose. L'être humain est fait pour être passionné, pour être vraiment orienté sur quelque chose. Et dans ce passage-là, c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. S'il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple va être sans frein. Il n'y aura pas quelque chose qui va les garder, les empêcher d'aller dans toutes sortes de directions. Puis il finit la phrase en disant « Heureux s'il observe la loi ». Donc, s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas quelque chose qui les motive à aller dans une direction, ils vont se retrouver à être sans frein, puis on est encore chanceux s'il observe la loi. En d'autres mots, la vision, l'attention et le zèle pour accomplir quelque chose va nous protéger, mais si on n'a pas ça, on va se retrouver bien souvent à même pas respecter la loi, à pas respecter les principes de Dieu, à pas respecter les choses de Dieu, parce qu'on n'a pas cette attention-là, c'est pas cette révélation-là ou vision qui est là. Habacuc, chapitre 2, versets 1 à 3. Le prophète Habacuc dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie ». Dans une autre traduction, il dit « Écris la vision ». Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. S'il tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le principe que je veux faire ressortir là-dedans, c'est avec le prophète Habacuc qui était là, qui se tenait pour voir ce que l'Éternel dirait, la direction que Dieu donnerait et ce qu'il répliquerait après sa plainte. Et dans le verset 2, quand il écrit la prophétie ou la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc, la vision, la prophétie, grave-la, il dit, grave-la sur des pierres pour qu'on puisse s'en rappeler, qu'on puisse la lire couramment.
Dieu veut parler, Dieu veut communiquer, Dieu veut déclarer des choses sur nous, sur son peuple, sur son Église. Et c'est important d'être à l'écoute de l'Esprit, comme Habacuc était à l'écoute sur son poste, attendant ce que l'Éternel dirait. Attendant ce que l'Éternel dirait. Et si on regarde à plusieurs autres églises dans le livre de l'Apocalypse, l'église de Philadelphie, la Odyssée et toutes les autres Thyatires et toutes ces églises-là qui étaient là, il y avait quelqu'un qui était au poste, il y avait un messager qui était là et Dieu avait un message pour ces églises-là pour accomplir la mission que Dieu leur avait donnée. Et dans cette mission-là qu'il nous donne, écris-la, grave-la sur des tables, écris-la afin qu'on puisse la lire couramment. Mon point, celui-ci, c'est qu'en tant qu'Église, si on veut, on a besoin dans nos vies d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur, mais le Seigneur donne aussi des visions à différentes églises, des missions, des choses à accomplir, qu'on a besoin d'être à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande et que cela va nous protéger, va nous apporter un frein pour aller dans toutes sortes de directions et on va observer la loi de Dieu et dit cette vision-là que je vais donner, cette révélation-là que je vais donner, elle vous est donnée pour que, et je veux que vous puissiez l'écrire, la graver. Peut-être aujourd'hui, on la grave peut-être pas toujours sur des pierres, on la grave certainement pas sur des pierres. Des fois, ça peut être des documents, des fois, ça peut être site web et tout ça. Mais je pense que la meilleure place où une vision doit être gravée, c'est dans notre cœur. Elle doit être portée dans nos cœurs parce qu'il dit maintenant, Dieu va graver ses lois et ses principes dans nos cœurs, de porter une vision dans nos cœurs, de la lire couramment. En d'autres mots, c'est « je veux vous donner une vision, il y a quelque chose que je veux faire, il y a quelque chose qui va vous aider dans vos vies personnelles si vous vous connectez à cette vision-là, ça va vous protéger, ça va vous garder dans les voies de Dieu. » Et donc, ces voies-là, gardez-la, qu'elle soit dans votre cœur, relisez-la couramment, n'oubliez pas cette vision, n'oubliez pas ce à quoi je vous appelle. Et de cette façon-là, je vais accomplir la prophétie, je vais accomplir les choses que je veux faire parce qu'elles ont déjà été fixées, il disait verset 3. Ça marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Donc, dans la fin, il est en train de dire qu'il va nous donner vision, il va nous donner une révélation, il va nous donner une direction et que si elle tarde, simplement de la garder dans notre cœur, de continuer d'y croire, de continuer de s'y attendre parce que Dieu a décidé, Dieu a décrété que les choses étaient pour arriver. Puis si ça tarde, ne décourage pas, abandonne pas, ça va s'accomplir certainement parce que Dieu ne peut pas mentir. Alors, cela étant dit, on peut s'en aller chez nous, non, c'est pas ça. Cela étant dit, je vais prendre le temps ce matin, je fais ça une fois, environ une fois par année. Oui, je reviens à un moment sur différentes choses, mais au moins une fois par année, où est-ce que je reviens sur le fait d'expliquer encore plus la vision, expliquer qui est l'Église source de vie et c'est quoi que le Seigneur nous appelle à faire, à accomplir et à être. Et ça fait plus de 13 ans qu'on est ici déjà, moi et mon épouse, que le Seigneur nous a appelés ici. Il y avait peut-être une quarantaine de personnes les dimanches matins à ce moment-là. Et puis, on devait à peu près environ 100 000 $, un peu plus même sur le bâtiment, alentour de cela. Et depuis ce temps-là, il y a eu différentes saisons, il y a eu différentes victoires, il y a eu différentes épreuves, il y a eu différentes circonstances, etc. Et on a navigué au travers de ça, et le Seigneur révélant de plus en plus ce qu'il voulait pour nous, et le Seigneur nous établissant, nous formant pour accomplir ce que lui voulait qu'on puisse accomplir. Il y a des gens qui sont là depuis toutes ces années-là. Il y a d'autres qui se sont joints en cours de route jusqu'à dans les derniers mois ou dernières semaines ou quoi que ce soit qui sont là. Et je vais prendre le temps ce matin encore de partager qui est source de vie et quelle est notre vision, qu'est-ce que je crois que le Seigneur nous appelle à faire. Il y a quelques mois environ, octobre ou novembre, pasteur Dave Larmer d'une église d'Oshawa qui est une église partenaire avec nous, qui nous supporte, qui nous encourage de différentes façons, soit prière, formation, juste fraternité, etc., et financière aussi, est venu ici pour donner une journée de formation avec l'équipe de leadership de l'Église. Et lorsqu'il est venu pour donner cette formation-là, il parlait sur Néhémie, sur bâtir, et il y avait vraiment des points extraordinaires qui sortaient au travers de ça. Et entre autres, il y a une place où ça encore plus comme interpeller mon cœur, si on veut, et puis où ce qu'il disait que des fois dans la vision, quand on l'établit, quand on avance, l'ennemi vient pour essayer de détruire. Il y avait de l'opposition quand Néhémie voulait rebâtir les murailles de Jérusalem. Il y a un paquet de principes qui sont là-dedans, qu'on a partagés, qu'on a regardés. Mais entre autres, des fois qu'il disait, par rapport à la vision, c'est important quelquefois de juste reculer un peu en arrière, de regarder où nous sommes,
de regarder ce que le Seigneur pense de tout ça, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on comprend bien ce que l'Esprit de Dieu nous amène à aller, de prendre un peu de recul, d'analyser et de ravancer avec le corps de leader, le leadership et les leaders qui sont là, et aussi après ça avec l'assemblée, les gens qui servent dans l'Église. Donc, en comprenant ça, on s'est préparé et puis on a regardé à différentes choses, on a prié et entre autres, dans les dernières semaines, il y a environ 2 ou 3 samedis, on a fait une journée leadership, les responsables de ministère, équipe, comité de l'Église, pour pouvoir discuter ensemble et voir par rapport à cette vision-là que le Seigneur nous donne, être sûr que nous l'apportons ensemble. Et on a passé vraiment une journée formidable de 9h le matin jusqu'à peut-être 3h, 3h30 l'après-midi, à prier et à discuter et à laisser le Seigneur nous inspirer. Et ce qui était bénissant, parce que quelquefois, le leader peut avoir une vision dans son cœur, mais après ça, il parle avec ses autres leaders et il se rend compte que les autres, ils ne pensent pas la même affaire, pantoute, qu'on n'est pas sur la même page du tout. Mais vraiment, on était bénis de voir que cette vision-là, elle n'était pas juste gravée dans mon cœur, elle n'était pas juste gravée dans le cœur de mon épouse, mais elle était gravée dans le cœur de plusieurs leaders aussi. Et que, donc, ce matin, ce que je vais vous partager à propos de la vision source de vie, pour être capable de progresser dans cette vision-là, parce qu'on ne peut pas progresser si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on fait. Donc ce qu'on va vous partager ce matin, ce n'est pas juste les pensées qui viennent de moi et de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais également aussi de ce qui était déposé dans le cœur des uns et des autres, les leaders. Et donc, j'ai fait un amalgame de tout ça pour partager et décrire un peu plus quelle est l'Église source de vie. Donc, vous êtes prêts? Oui? Amen? OK, on va y aller pour les 3 qui sont prêts. Les autres, vous allez nous rejoindre en cours de route. L'Église source de vie est, premièrement, est un endroit qui croit dans les offices d'Éphésiens 4, 11 à 13. Donc, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste pour le perfectionnement du peuple de Dieu afin de faire avancer son œuvre. Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Là, je ne pense pas qu'on voit grand-chose sur celui-là. Peut-être prendre les autres versets. Éphésiens 4, 11 à 13, il dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Une des fondations des choses que nous croyons, et c'est à l'Église, c'est que ces 5 offices-là doivent être en opération dans l'Église. Ce soit, et d'un fois, ils peuvent être là ou pas être là, parce qu'on ne peut pas inventer les dons, c'est Dieu qui donne les dons, c'est Dieu qui donne les offices et qui donne les appels. Mais on doit rechercher à ce que ces choses-là soient là, que ce soit en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant que pasteur ou docteur ou évangéliste. Dieu a donné ces 5 dons-là et il doit être présent dans l'Église. Et nous croyons dans la présence de ces grâces-là, cette dimension apostolique qui peut être sur notre vie, qui est entre autres sur ma vie, tout ça. Et donc, et la dimension pastorale qui est là aussi dans laquelle que le Seigneur opère. On voit que Dieu donne ces grâces-là. Et même l'apôtre Paul, on voit avec Paul, Paul disait apôtre et enseignant. Paul avait comme 2 grâces qui opéraient au travers de sa vie. Timothée était un apôtre aussi, mais était aussi un évangéliste. Il a réanimé le don d'évangéliste qui est là. Donc, on veut croire de la manifestation de la grâce et les dons qui sont là pour aider à l'édification. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, nous croyons et durant trop d'années, que ce soit en particulier à travers le Québec et tout ça, quand tu lisais, on faisait plusieurs qui étaient dans le ministère, cette blague-là, on disait, on a l'impression quand on lit Éphésiens 14, qui disait, et il a donné, puis disait, qui a appelé, et il a donné les uns comme pasteurs, et les autres comme pasteurs, et les autres comme pasteurs, et les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, qu'il y avait juste des pasteurs. C'est comme si le corps de Christ pouvait juste reproduire des pasteurs. Et donc, on a besoin que les 5 dons soient là, donné par Dieu. Et c'est lorsque les 5 dons sont là, sont manifestés, que l'Église peut être efficace, parce que chaque grâce porte ses dons. Chaque grâce, chaque appel apporte une nouvelle dimension qu'un autre ne pourra pas apporter. Le prophète apporte quelque chose que l'évangéliste ne pourra pas apporter. L'évangéliste apporte quelque chose que l'apôtre ne pourra pas apporter. Et le docteur apporte quelque chose. Et les 5 ensemble, lorsqu'on travaille ensemble, peuvent vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est une des premières dimensions dans lesquelles que nous croyons. Deuxièmement, on veut que ce soit un endroit qui veut honorer le Saint-Esprit et lui laisser toute la place.
Un endroit qui veut laisser toute la liberté au Saint-Esprit d'agir dans la vie des gens et par ses dons. Donc, que ce soit un endroit où ce que le Saint-Esprit, on ne veut pas, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On veut honorer la présence du Saint-Esprit, c'est lui qui opère au travers de la vie des gens. Quand on dit qu'on veut laisser la liberté au Saint-Esprit, non seulement par ses dons, les dons qu'il va donner, qu'il va distribuer, guérison, miracle, prophétie, parlant en langue, interprétation, discernement des esprits, etc. Et donc, on parle dans Corinthiens. Ça, c'est les dons qui sont manifestés par le Saint-Esprit. Mais on veut le laisser aussi libre d'opérer dans la vie des gens. Ça veut dire quoi, le laisser libre d'opérer dans la vie des gens? Ça veut dire que ce n'est pas moi qui va transformer Mario, mais je vais laisser le Saint-Esprit peut-être m'utiliser pour transformer Mario, mais c'est le Saint-Esprit qui va avoir la liberté de changer les gens. Ce n'est pas à nous de changer les gens, ce n'est pas à nous d'obliger les gens, c'est au Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit pouvoir toucher les gens. Et ce n'est pas parce qu'il t'a transformé d'une façon qu'il va transformer ta sœur d'une autre façon. Laissez le Saint-Esprit être libre de processer au travers de la vie d'une personne ou d'un autre. Et on veut dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans quoi que ce soit, on veut laisser la place au Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, quand on parle de Paul attristé, on parle, c'est quelque chose de sensible. Et même souvent, le Saint-Esprit était présenté sous la forme d'une colombe. Vous savez, quand il est descendu sous la forme d'une colombe, si on ne lui laisse pas la place, si on le bloque, c'est pour qu'il ne s'imposera pas. On doit lui laisser la place et l'honorer. Et de cette façon-là, il va pouvoir faire des choses extraordinaires. L'Église, source de vie, veut aussi que ce soit un endroit où l'équipe pastorale et le leadership est accessible. On ne veut pas être dans une bulle, et c'est d'ailleurs pourquoi on prend plaisir à la fin de la réunion de courir presque en arrière pour avoir le temps de saluer les gens ou avant ou quoi que ce soit, et rencontrer les gens pour pouvoir parler, pour pouvoir avoir une accessibilité. On ne veut pas avoir un leadership où est-ce qu'aussitôt que le pasteur a fini, qu'il faut qu'il se cache parce qu'il est l'homme de Dieu qui ne peut pas être touché par la lèpre de la congrégation. Non, on veut vraiment comme être proche, on veut vraiment avoir une proximité. C'est le genre d'église que l'on veut être. On veut être une église, un endroit où la culture de l'honneur et la célébration de la diversité est autant présente à l'intérieur de l'église locale que dans l'église universelle de Christ. Donc, on veut honorer et célébrer la diversité. Nous sommes tous différents les uns les autres et chaque congrégation est différente aussi. Donc, ils ont leur culture, ils ont leur approche, ils ont des convictions, ils ont des croyances qui peuvent être différentes, mais on veut célébrer cette diversité-là, honorer cette diversité-là au travers de l'Église. C'est quelque chose qu'on veut qu'il fasse partie de nous. C'est un endroit où on attache une grande importance à toutes les générations et nous sommes fiers de notre ministère d'éducation chrétienne et de la jeunesse où est-ce qu'on est béni, on est vraiment heureux de chaque génération puisse être honorée et célébrée. Un bon ministère de jeunesse, d'éducation chrétienne avec les enfants qui sont venus danser ce matin, c'était vraiment encourageant de venir de voir les enfants. Est-ce que vous pouvez peut-être applaudir si vous avez aimé ça aussi? C'est beau avec Victoria de pouvoir inciter déjà les enfants à devenir des adorateurs, des gens qui vont se déverser devant Dieu. C'est un endroit aussi où la louange, l'adoration et la prière sont une priorité. On veut vraiment que ce soit un endroit où est-ce que, oui, la louange et l'adoration qui apportent la présence de Dieu, où est-ce qu'on célèbre le Seigneur, où est-ce que la prière devienne vraiment une priorité dans nos vies. On veut vraiment mettre un accent là-dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si on regarde un peu à nos valeurs, chaque famille et chaque église peut avoir des valeurs qui lui sont plus chères. À Source de vie, voici quelques-unes des valeurs que nous avons et qui nous distinguent. Vraiment l'amour, on veut vraiment que ce soit un milieu dans lequel que on ressent l'amour, où ce qu'on donne l'amour dans nos relations proches les uns avec les autres, dans l'accueil, qu'il puisse y avoir une chaleur qui était là. On veut vraiment, parce que Dieu est amour, et donc si Dieu est amour, nous autres qu'on a été créés à son image, l'amour devrait se manifester aussi au travers de nos vies. On veut que ça puisse se manifester au travers de nos vies, donc l'amour est quelque chose d'important. L'acceptation, respect et ouverture envers les uns et les autres, de célébrer encore les différences, comme on disait tantôt. L'esprit familial et l'unité. L'esprit familial et l'unité. On veut vraiment
avoir ce rapprochement-là, de croire que jusqu'à un certain point, en tant que leader, on n'est pas juste comme des leaders ou pasteurs ou quoi que ce soit, mais on veut être là comme un peu comme dans un cœur de père, un cœur de mère, pour être capable de bénir le peuple de Dieu, que c'est vraiment des frères et sœurs. Il dit, saluez-vous, si on regarde dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, on parle de frères et de sœurs, et on parle de proximité, on parle d'un esprit d'unité et d'amour qui peut être là, de travailler les uns les autres ensemble dans cet esprit familial. Et c'est pourquoi j'ai oublié une petite annonce à faire tantôt, et je vais insérer ma pub en plein milieu. Je fais du placement de pub comme dans certaines émissions à la TV ou quoi que ce soit, les films. Je vais faire mon placement de pub, l'esprit familial et d'unité. Dans ce cadre-là, les femmes, le 6 avril, veulent organiser une journée pour Cabane à sucre. Vraiment aller là-bas, l'année passée sont allés, ils ont été super bénis et tout. Et puis donc le 6 avril, c'est important de donner vos noms à Katou, Marianne et tout ça, les deux. Donc inscrivez-vous les femmes. Et comme les hommes ne peuvent pas laisser aller les femmes, manger du sucre sans y aller, les hommes ont revendiqué, certains en particulier, on ne le stoulera pas ce matin, on ne dévoilera pas le gourmand, donc il y a un des hommes qui dit « Moi aussi je veux manger du sucre ». Alors finalement, on a parlé aux responsables des hommes avec Bonaventure et les hommes aussi le 6 avril. On va prendre notre propre table, OK? On ne veut pas s'asseoir à la même table. Les femmes, on va pouvoir manger comme il faut sans qu'ils viennent nous dire « c'est trop chéri ». OK? Donc, on va avoir notre propre table. Donc, les hommes, c'est important aussi de donner votre nom pour Bonaventure, pour cette journée-là des sucres. Et c'est vraiment le fun. C'est vraiment, il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Si, peut-être vous n'avez jamais été là, vous n'avez jamais expérimenté cela. C'est vraiment quelque chose de cool. C'est une super belle place. Donc, le 6 avril, donc, la pub est finie. Revenons maintenant à notre programme principal. L'amour de la parole de Dieu. Non seulement on veut avoir l'amour, mais on veut avoir l'amour de la parole de Dieu aussi. Ça a l'air banal, mais ça a besoin de quelque chose qui est prioritaire, qui est important, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui doit nous centrer, c'est ce qui doit vraiment, qui est la fondation de notre doctrine, de nos croyances. Il n'y a rien de toute révélation qui vient s'il n'est pas confirmé avec la parole de Dieu qui fonctionne. On a besoin que ça soit confirmé par la parole de Dieu. Et quand je parle de l'amour de la parole de Dieu, ça va vous dire que ma passion, il y a des enseignements, il y a toutes sortes de choses. Il y a des choses quelquefois que ça a l'air de la vérité, mais que ce n'est pas la vérité. C'est dilué, c'est des mauvaises compréhensions face à des choses. Et s'il y a une obsession que j'ai, qu'on a, c'est de vraiment aller pour découvrir la vérité de la parole de Dieu, connaître la parole et l'enseigner en profondeur. Et dans les prochaines semaines, je ne sais pas quand est-ce, mais je vais faire une série sur 2-3 semaines qui va nous aider à bien comprendre la Bible. Vous allez, à partir de cet enseignement-là, peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Vous allez dire, je n'avais jamais compris ça de cette façon-là. Et ça va tellement démêler des affaires. Parce que si tu n'as pas les bonnes fondations d'interprétation et de compréhension, ta déduction peut être complètement dans le champ. Et on va partager quelques principes là-dessus, justement, parce qu'on a un amour pour la parole. Et on veut que cette parole-là nous garde et nous donne le filtre de toutes nos interprétations des choses que nous entendons et que nous voyons. Amen. Une autre de nos valeurs qui est importante ici, c'est la présence du prophétique. Donc, ce qu'on veut voir, Paul disait, c'est Paul d'ailleurs qui disait, « Je voudrais que tous puissent prophétiser. » Il voulait que tous, il y avait un désir que la dimension du prophétique soit présente dans l'Église, mais pas dans le sens de prédire l'avenir, qu'on se prédise tout l'avenir les uns aux autres. Vraiment dans l'esprit du prophétique dans 1 Corinthiens, où est-ce qu'il parle que celui qui prophétise édifie, console et exhorte. OK? Donc, c'est dans ce sens-là où on devrait tout avoir accès à ce que l'Esprit de Dieu vient et peut nous parler et peut nous encourager, peut nous donner une parole qui nous fait du bien, qui nous bénit. Donc, on est là pour pouvoir s'édifier, se bénir les uns les autres. Et dans ce sens-là, c'est quelque chose dans lequel on veut grandir, on veut continuer de perfectionner. Durant trop d'années, les gens ont eu peur du prophétique, ont eu peur de certaines choses parce qu'il y a eu des abus. Et vrai qu'il y a eu des abus. Mais si on n'enseigne pas parce qu'il y a eu des abus, on risque encore d'avoir des erreurs et des hérésies, des choses qui ne sont pas correctes. Alors, si on veut l'avoir plus, on doit l'enseigner plus, mais bien l'enseigner, pour bien le mettre en pratique et devenir une église modèle qui va être capable de bien opérer dans le prophétique, dans ce sens-là, au niveau de l'Église, et pouvoir être un modèle qui va peut-être aider d'autres à pouvoir opérer d'une façon saine et biblique et équilibrée dans le prophétique. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Ça fait partie de nos valeurs, entre autres. L'amour, donc j'aurais pu continuer dans l'amour du prochain, etc., l'amour des gens qui sont à l'extérieur, mais on va aller plus loin avec ça. L'amour est très large, ça couvre pas mal tout. Une des autres choses qui est importante au niveau de nos valeurs, c'est la patience.
La patience. La patience. La patience. La patience. La patience. Il y en a qui sont commencés sur le bord de perdre patience, mais c'est pas grave, on veut faire grandir. La patience. La patience. La patience. Amen. Donc, on veut, c'est quoi la patience? La patience, c'est d'avoir, attendre, être patient face à Dieu, attendre, s'attendre à Dieu, avoir la patience les uns envers les autres, le temps de changer, le temps de transformation et tout ça. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de nos valeurs. On est loin d'être prompt à disqualifier. On est loin d'être prompt à dire c'est terminé. On veut être patient pour laisser l'Esprit de Dieu agir, pour laisser le temps, les gens de cheminer et de changer et de grandir en Dieu. Alors, quelqu'un dit amen si vous êtes content. Ceux qui ont plus besoin que les autres soient patients envers eux autres, c'est eux autres qui applaudissent le plus fort. Amen. La compassion, d'avoir la compassion aussi, c'est une de nos valeurs principales qui est là. Donc ça, c'est parmi nos valeurs. Si j'irais dans une autre partie qui parle de qui nous sommes, il y a certaines choses qui se répètent peut-être un peu des fois qui se ressemblent. Qui nous sommes? Une famille. On veut se voir premièrement pour une famille. Dieu a commencé en disant, Jésus a dit, priez, voici comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas notre boss, notre patron, notre directeur exécutif, mais notre Père, l'esprit de la famille, Jésus qui était le frère aîné, qui était là, qu'on voulait être, qui devait être notre modèle, qu'on nous sommes appelés à être des frères et des sœurs. L'Église est premièrement une famille de gens qui ont été créés à l'image de Dieu, qui opèrent dans d'autres choses, qui peuvent être considérés comme une armée, qui peuvent se comporter comme des brebis, qui peuvent se... Vous me suivez, il y a plein d'autres images, des ambassadeurs, des représentants de Christ, mais je suis un ambassadeur, mais premièrement, je suis un enfant. Je fais partie de la famille. Donc, la pensée de la famille est quelque chose qui est vraiment comme important dans notre identité. Donc, nous sommes une famille obéissante, cherchant à obéir à Dieu, Sophonie 3, versets 11 à 13, ceux qui veulent regarder plus loin, dans le sens de respecter les principes de Dieu, de marcher dans la sanctification, dépendant du Seigneur. On va être un groupe qui dépend du Seigneur, qui s'attend à Dieu. Contemporain. On veut être à l'affût, être vraiment à l'affût dans cette génération. La plupart des gens, plein de gens, le premier contact aujourd'hui qui ont à propos de Dieu, bien souvent, c'est en ligne, c'est au travers Internet. Alors, une église qui n'est pas à l'avant-garde, qui n'est pas contemporaine et prête à aller toucher en ligne, manque un grand champ missionnaire d'apporter l'Évangile et la vérité de Dieu chez les gens. Et on est déjà en route avec ça, avec notre site web et avec d'autres projets évangéliques que l'on a fait avec une dame qui était venue ici pour vraiment aller à un autre niveau dans cette dimension-là. Et j'en profite, et il y a quelqu'un qui va être content ce matin, mais j'en profite pour vous dire que toute l'équipe des multimédias, site Internet, web et toutes ces choses-là, de la technique, la caméra, l'audio et tout, on prie souvent pour la louange, on prie pour les pasteurs, mais priez pour ces gens-là parce qu'ils ont un rôle tellement important. Et gardons-le en prière. Des fois, le dire, c'est juste de mélanger les choses. Et quand ce ministère-là n'est pas fonctionnel comme il devrait être, c'est des centaines et des milliers de personnes même qui peuvent être privées de semaine en semaine d'un bon produit, d'un évangile qui est partagé, des choses qui peuvent transformer leur vie. Il y a un blocage des fonds spirituels. Alors, prions pour vraiment ce ministère-là. Et ça va être 20$, Manon, OK, pour ma prière et l'annonce. On veut être aussi qui nous sommes, on veut être la lumière, donc apporter la lumière de Jésus, briller par notre caractère, qui nous sommes, apporter l'Évangile, le royaume dans notre génération. Et ça, c'est une autre dynamique importante de notre Église qui est dans ce sens-là apostolique, dans le sens pour être capable de toucher à travers les nations. Bien des différentes églises n'ont pas nécessairement cet appel-là et tout, et c'est correct parce que, comme j'ai dit tantôt, on honore et on célèbre toutes les diversités d'églises et sont importantes, sont riches, sont super aimées de Dieu, autant que nous on peut l'être. Mais dans la dimension dans laquelle que le Seigneur nous appelle à nous à être, cette dimension-là, apostolique, parce qu'apostolique veut dire envoyer, apostolos, envoyer quelqu'un. Et c'est une église qui est appelée à être envoyée vers les nations et à toucher les nations. On touche Gatineau d'une façon particulière et on veut le faire encore davantage, d'une façon encore plus efficace. Mais on a aussi un cœur dans cette dimension-là pour les Premières Nations depuis des années avec notre frère Benoît et notre sœur Elna dernièrement qui s'est joint à lui. On a une passion, il y a quelque chose que Dieu veut faire pour les Premières Nations. Et donc, c'est une des parties de notre ministère, de notre appel d'avoir un impact parmi
les Premières Nations qui sont comme à 2h30, 3h de nous, et même certains viennent jusqu'en ville. Et donc, pour nous, c'est quelque chose qu'à Source de vie, les Premières Nations sont importantes. On avait même eu un chef des Premières Nations, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, qui était venu prêcher ici, tout ça. Donc, on veut vraiment avoir cette dimension-là. Nous avons aussi parmi notre mission que le Seigneur nous donne avec Haïti, où est-ce qu'on a été, plusieurs le savent, je suis allé là une douzaine de fois au travers depuis 2013 pour toucher là-bas le peuple d'Haïti. On a bâti une route de 13 km, un projet de 100 000 $, une communauté qui était complètement coupée de la population et tout, pour pouvoir transformer leur vie, apporter l'Évangile là-bas. Aujourd'hui, la Croix-Rouge et d'autres organismes utilisent la route qu'on a bâtie pour changer leur ville. On a donné des formations à ouvriers, formations serviteurs. On est allé dans orphelinat. On travaille sur un projet présentement pour une école d'environ de 200 enfants dans le coin de Delma et tout. Donc, Haïti est vraiment une passion pour nous. Ça fait partie de notre mission. On croit que le Seigneur va faire de grandes choses. Et prions particulièrement présentement avec tout ce qui se passe là-bas. Ça nous brise le cœur de voir ça. Présentement, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout. Et c'est médiatisé. Mais je sais qu'il n'y a pas juste parce qu'on a plusieurs Africains ici, différents pays où ce que les situations ne sont pas faciles non plus. Continuons à élever nos voix ensemble pour avoir un impact. Donc, quand vous donnez dans les dîmes, les offrandes et les choses comme ça, les offrandes missionnaires, c'est pour nous aider à toucher les Premières Nations. C'est pour nous aider à toucher Haïti, pour être capable de faire une différence, parce que c'est une mission que le Seigneur nous a donnée en tant qu'Église. Ça fait partie de la vision qui est gravée sur nos cœurs, qui est là, et on ne veut pas l'oublier, et on veut le savoir quand vous nous permettez, quand au travers les offrandes et tout ça, on peut aller là-bas, et nous-mêmes, on investit. Une grande partie des... Quand je vois en Haïti, c'est moi qui le paye pratiquement, mais vraiment, il y a d'autres argent qui vient parce qu'on donne et on croit dans la vision, et on veut vraiment faire avancer les choses pour Haïti, entre autres. Et là, on est à la porte d'aller dans une nouvelle saison, d'aller du côté de l'Afrique pour pouvoir aussi, parce qu'on croit que non seulement il y a les Premières Nations, il y a Haïti, mais il y a l'Afrique, et peut-être qu'il y aura d'autres nations plus tard, mais dans nos ordres de priorité, l'Afrique, probablement début 2020, que ce soit au Togo, Côte d'Ivoire ou dans ces régions-là, où est-ce qu'on veut commencer à aller là-bas. Avec Donman, je ne sais pas si vous vous rappelez, Donman, il vient régulièrement ici depuis des années, il était en Zambie, il était en Afrique du Sud, et il y a un ministère sur apporter l'intégrité, un mouvement d'intégrité sur le continent africain. Il le fait depuis des années, il est allé dans des endroits comme Sierra Leone aussi, tout cela, ouais. Donc, enseigner, non seulement dans l'Église, mais même les corps policiers, le système d'éducation, au niveau de l'école et tout, d'apporter les piliers de l'intégrité pour transformer la vie des gens. Et il avait à cœur un jour d'aller avec les francophones, et comme on a une relation depuis plusieurs années ensemble, j'avais dans mon cœur aussi d'aller là-bas et qu'on puisse travailler ensemble. Éventuellement, probablement avec Michel Bisaillon, le surintendant responsable des assemblées de Pentecôte aussi, se joindrait à nous. Et on est en train de planifier normalement pour début 2020 d'aller là-bas en Afrique, et régulièrement après ça, de pouvoir aller et de vraiment faire l'œuvre que le Seigneur nous appelle. Donc, on va en reparler sûrement lorsque les choses vont approcher et avancer de plus en plus, mais c'est important, c'est vraiment une dimension qu'on a besoin de comprendre dans notre Église. C'est une Église qui veut toucher les nations, une Église d'adorateurs qui aime la louange et l'adoration, une Église qui va mettre l'accent sur l'importance de connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre l'accent sur. On a besoin de connaître notre identité, non plus esclave de la peur. Je suis... Amen. Donc, ça, c'est un chant qu'on chante, et c'est un chant qu'on croit. On a besoin de connaître, de comprendre notre identité, parce que nous croyons que lorsqu'on comprend notre identité, c'est le facteur motivant de notre sanctification. Parce que quand tu prêches la loi, tu provoques le péché. Quand tu prêches l'identité, tu provoques la sainteté. Et donc, c'est si tu provoques, si tu prêches la loi, tu provoques le péché, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais si tu prêches l'identité, alors là, tu vas provoquer la sainteté qui va venir de la sanctification, de la transformation intérieure qui est venue par le Saint-Esprit et non de la lettre qui tue. Parce que l'Esprit vivifie. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important, que ce soit dans nos chants, dans notre prédication, dans nos enseignements. On veut que les gens comprennent qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils sont trop... écoute, c'est des enfants de Dieu. Comment je pourrais pécher? Je suis un enfant de Dieu. Comment je pourrais... Vous me suivez? Je ne pourrais pas faire ça. Je ne peux pas me rabaisser à cela. Je suis rendu ici.
ont été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de sa lumière. Et Dieu nous appelle à marcher comme des enfants de Dieu. Amen. C'est un lieu d'expérimentation. Vu que ce soit un lieu, nous sommes un lieu d'expérimentation où nous pouvons faire des erreurs dans notre croissance spirituelle. L'Église n'est pas un endroit où tu as besoin d'être parfait avant de faire quelque chose. C'est une Église, c'est un endroit où est-ce que tu es, tu peux continuer d'avancer et de te développer. C'est sûr que si ta vie est tout croche, que tu es le responsable du chapitre des Hells Angels, on ne te mettra pas en charge la jeunesse, OK? C'est sûr. Si tu chantes pour un groupe satanique à toutes les semaines et tout ça, c'est sûr qu'on ne te mettra pas dans l'équipe de louange la semaine prochaine. Vous me suivez? Mais mon point est celui-ci, c'est qu'on veut vraiment que ce soit un endroit, un lieu pour avoir la chance de se développer et de grandir et d'expérimenter et de manquer son coup. Tu peux faire des fausses notes. Tu peux dire des erreurs. Il y a des affaires qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai prêchées il y a plusieurs années, si j'aurais la cassette, je la brûlerais. J'ai grandi au travers des années, puis j'espère qu'aujourd'hui, ce que j'enseigne, je réponds dans les prochaines années. Mais on grandit, on apprend, vous me suivez? Et c'est sécurisant parce qu'on sait qu'on peut grandir, on sait qu'on peut avancer, on sait qu'on n'est pas, on vise l'excellence, mais on n'est pas dans la perfection. Il n'y a personne comme être humain qui est dans la perfection, mais on veut viser l'excellence, on veut viser le perfectionnement. Amen. Une des choses qui est de notre Église aussi, qui est particulière, c'est notre diversité culturelle. Ce n'est pas toutes les Églises qui ont une diversité culturelle. Il y a des Églises que c'est blanc mur à mur. Okay? Il y a des Églises que c'est noir mur à mur. Au travers de notre Église, il y a les Québécois, les Français, il y a des Africains de différents pays, parce qu'encore là, ben, pas tous les Africains qui sont pareils, comme pas tous les Québécois qui sont pareils. Amen. Donc il y a différentes autres nationalités, et je pourrais en nommer plusieurs, il y a tellement plus de différentes nationalités qui sont là, qui sont ici, présents à l'Église. Et c'est une richesse, parce que chaque culture apporte certaines forces, chaque apporte une saveur, une flavor qui est vraiment particulière et qui est vraiment spéciale. Et on est béni d'avoir cela. En même temps, bien, quand on a une diversité culturelle aussi, c'est un beau côté, mais l'autre côté, ça présente un défi. Et je parlais dernièrement, bon, c'était plus comme Messenger avec Ducie qui est en Alberta et tout ça. Puis à un moment donné, j'écrivais, c'est drôle, j'ai dit, il y a des Québécois qui ont de la misère avec moi, puis il y a des Africains qui ont de la misère avec moi. Peut-être qu'il y a d'autres nationalités qui ont de la misère avec moi, je ne sais pas encore, dites-moi-le pas. Puis j'ai dit, ça fait drôle de savoir que, autant avec un ou avec l'autre, il peut y avoir des différences qui sont là, et puis des choses qui, dans lesquelles ils ne seront pas nécessairement d'accord ou pas nécessairement à l'aise. Puis là, sur le coup, elle disait, ah ouais, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Puis là, j'ai défini un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, sur certaines affaires, il y a certaines cultures que ça va plus les déranger parce qu'ils ont appris de cette façon-là. Puis dans une autre culture, même dans la culture québécoise, il y a des affaires que pour les Québécois, ils pourraient lui faire lever les cheveux sur la tête avec du gel. Parce qu'ils ont... Et le point, celui-ci, c'est... Et puis là, après ça, je réfléchis, puis j'en reparlais plus tard avec Julie dessus, c'est que chaque culture a un peu son apprentissage et son système de compréhension et d'interprétation au niveau de la parole. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la parole est neutre, mais les lunettes avec lesquelles qu'on la regarde est souvent influencée par nos cultures. Et pourquoi, dans certains cas, la culture québécoise n'aime pas certains principes? Pourquoi la culture africaine n'aime pas certains principes? Pourquoi la culture haïtienne n'aime pas certains principes? Pourquoi la culture australienne n'aime pas certains principes? C'est parce que ces cultures-là peuvent rentrer à un certain moment donné en conflit avec la culture du royaume. C'est lorsque la culture du royaume confronte la culture québécoise que la culture québécoise, qui a pu avoir une tendance religieuse au travers les années, quand elle est confrontée, elle réagit.
Et d'une culture à l'autre, ces choses-là peuvent être vraiment présentes. Et c'est un défi. Et c'est là qu'avec le temps, où est-ce qu'il faut s'adapter? Et dans notre culture, ça peut être la façon de chanter ou la façon de danser, la nourriture que l'on mange et tout. Ces cultures-là apportent vraiment une beauté. Mais dans la pratique spirituelle, c'est là où est-ce que cette culture-là doit être vraiment analysée en lien avec la culture du royaume et la pensée de Dieu. Tu sais, dans notre culture, on a eu l'influence légaliste et d'apporter les choses d'une façon légaliste. Quand il va y avoir la grâce qui va être enseignée dans la culture du royaume, le légaliste va capoter. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une confrontation au niveau culturel par rapport aux choses de Dieu, qui sont différentes des autres cultures. Donc, notre diversité culturelle, qui est une richesse, qui est une beauté, qui est extraordinaire, on doit l'embrasser, la célébrer. Ça fait partie de ce que nous sommes et on en est vraiment comme fiers et bénis. Donc, mais lorsqu'on veut regarder au niveau de la parole de Dieu, on doit continuer d'avancer et de voir vraiment ce que la parole nous enseigne pour imprégner cette culture-là dans nos vies et dans l'Église. Et avec le temps, ça fait un blind. Ça fait comme un mélange et peu importe, on vient d'un endroit ou un autre, cette culture-là du royaume s'intègre dans nos cœurs. Vous me suivez? Il y a un désir, ce que nous sommes une église qui a un désir de progresser. Je ne sais pas, vous allez sûrement remarquer, appelé à progresser, ça fait partie du thème de l'année, mais ça fait des années. Ce n'est pas une église où on est là pour le statu quo. On veut être transformé personnellement, on veut être transformé en tant qu'église. Il n'y a pas de temps pour se reposer. Oui, d'un fois, on se repose dans un sens, mais on veut toujours comme continuer d'avancer, aller plus loin, avoir des nouveaux projets. Et dans ce sens-là, l'église Source de Vie est aussi une église innovatrice. Une église non seulement innovatrice dans son approche, dans la façon de faire les choses, mais on veut être une église qui est audacieuse. Pas peur de sortir. Il y a des pensées qui viennent à moi, comme je vous dis, il y a des parties, des choses qui ont été dites littéralement par les membres du leadership de l'église. Être audacieux dans le sens qu'on n'a pas peur de sortir du moule. Pas peur de sortir du moule, on est capable de faire les choses différentes. Pas peur de dire les vraies choses. De dire qu'est-ce que l'on pense, qu'est-ce que l'on croit et tout cela. Donc, d'avoir cette audace-là, on veut être ce genre d'église-là. Également aussi, on veut être une église, on est une église où il y a l'engagement des leaders, plusieurs leaders, des gens qui s'impliquent de façon extraordinaire. On est vraiment bénis d'avoir cette équipe-là. Une église multigénérationnelle, on en a parlé un peu tantôt. Une église où il y a, en parlant d'église d'engagement des leaders, une unité, l'équipe pastorale et du leadership. On est vraiment bénis d'avoir un leadership qui est proche, qui s'aime et qui a l'unité dans la vision et qui travaille ensemble. Et les leaders, applaudissez-vous pour ce que vous êtes. Juste les... Donc, c'est un peu ça. C'est une église qu'on veut que la vision, la direction soit claire et avancer ensemble pour l'œuvre de Dieu. Ce qu'on veut faire, donc ça décrit un peu plus qu'est-ce que l'Église Source de Vie. Donc, s'il y a des gens des fois qui sont là pour les premières semaines et tout, peut-être même la première semaine, vous êtes chanceux, on s'est présenté en long et en large ce matin, ça ne vous prendra pas 6 mois pour nous connaître. On est déjà vraiment exposé parce qu'est-ce qu'on a enseigné ce matin. Donc, ça, ce sont les valeurs, les choses que l'on croit, les choses sur lesquelles on s'appuie. Et j'aimerais juste prendre le temps ce matin pour présenter un peu le comité, les gens d'église. Je sais que pas tout le monde a pu être là. On a tellement un grand groupe, ça aurait été difficile d'avoir tout le monde. Il y a différentes circonstances qui font que les gens ne peuvent pas tout être là. Alors, je vais nommer les leaders qui font partie des différents ministères responsables et tout ça. Et puis, ils vont s'avancer ici en avant, ils vont former une ligne. Bien entendu, il y a mon épouse, pasteur Julie, qui est là. Donc, le conseil pastoral, conseil nominatif et tout ça, qui est là en place et tout, qui donc un peu le comité de l'Église. On utilise une terminologie, parce que d'une Église à l'autre, on n'utilise pas toujours la même terminologie. Donc, le conseil pastoral ou comité, il y a Kayla qui est sur le comité. Kayla Fontaine, est-ce que tu peux t'avancer? Kayla, oui.